Chers amis spectateurs, euh, nous revenons sur le cinéma sans Anne aujourd'hui et avec Maxime et moi-même. Donc Maxime, tu ouvres le feu Absolument, sur le film avec qui te plaît. un très bon film cette semaine, en tout cas un bon film que nous avons vu tous les deux, qui est Tout l'argent du monde de Riley Scott, euh, qui contrairement à ce que son nom indique ne raconte pas une histoire d'argent mais une histoire de famille. Je ne sais pas, Frédéric. Qui ne veut pas lâcher de l'argent. Qui ne veut pas lâcher de l'argent. C'est en fait l'histoire. Euh, de l'enlèvement du euh, jeune euh, Paul Getty, dit Paul Getty, petit troisième fils, donc. du nom, petit-fils euh, de, de Paul Getty, Getty connu, qui a sa le, fondation. Le grand euh, Paul Getty, Paul si j'ose dire, le premier milliardaire de l'histoire euh, de l'humanité. Euh, alors, qui à mon avis est un bon film, je ne sais pas si tu veux qu'on raconte en deux mots l'histoire. Bon, euh, l'histoire elle est connue, mais raconte en deux mots, mais rapidement, alors, en, si en deux mots. Hein, des hein, des donc films, le, voilà. le film commence en nous racontant en gros la jeunesse de la fortune. De Paul Getty l'Ancien, pendant à peu près 5-10 minutes, hein, qui nous explique donc qu'il est un, un killer dans le jargon, euh, en tout cas un type qui réussit à s'imposer à tous et qui est aussi un radin fini, parce que ça aussi on peut le dire. Et puis euh, on voit la descente aux enfers de. Il, est, il explique comme quand on, quand on a vu ou entendu beaucoup de milliardaires, etc., ce sont des gens qui ne lâchent pas leur argent. Ah bah, un, sou un sou est un sou. Donc parce lui, que par c'est un état d'esprit qu'ils ont. Absolument, on le voit nettoyer lui-même son linge dans les palaces, hein, parce qu'il faut quand même pas dépenser un dollar dans, dans la blanchisserie. Et puis on voit le, le début de la déchéance de sa famille, son, son fils qui va sombrer dans la drogue et le petit-fils qui habite en Italie et qui va se faire enlever. Par la mafia. La scène est pas mal d'ailleurs parce qu'on se retrouve en noir et blanc absolument, dans les faubourgs de Rome au milieu des prostituées oui. qui se baladent. Il va d'une prostituée à l'autre, mais enfin bon, comme ça, tout d'un coup une camionnette oui, bon. arrive, il est enlevé absolument. et hop, on arrive sur, le, sur la couleur. Bon, mais ça c'est bien fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, l'essentiel du film qui est un petit peu long, oui, peu euh, ça va être 2h10, voilà, l'histoire de cet enlèvement. Donc à la fois le jeune Paul il doit avoir 17-18 ans, grosso modo, mmh. euh, ou 20 ans, euh, qui est entre les mains de ses ravisseurs. Et puis, en parallèle, sa mère, qui n'a pas d'argent, en réalité, et qui, qui a qui est, divorcé. Qui a divorcé, qui est totalement désarçonnée, qui ne sait pas quoi faire. Euh, Monsieur Guetti, l'ancien, qui en fait est plus préoccupé par ses achats d'œuvres d'art que par le reste. Mais et qui en même temps, c'est son préféré, et mais c'est son préféré et qui lui va nommer euh, une personne de sa garde rapprochée qui va être chargée euh, de mener l'enquête et de négocier en avec Mark Wahlberg. Euh, en l'occurrence, Mark Wahlberg. Moyennant quoi euh, Donc il y a deux volets en fait hein, dans l'enlèvement. Il y a un premier volet avec une première équipe, je dirais de bras cassés, qui finalement ne vont pas réussir à soutirer euh, la, la rançon au vieux Getty. Donc ils vont revendre. Euh, à la mafia, pour le coup pur et dur, mmh. euh, le jeune. On va lui couper l'oreille, hein, c'est le moment fatidique du film, envoyer l'oreille euh, à la mer. Et finalement, avec une, une demande de rançon de 17 millions de dollars, ce qui est un record à l'époque, ils vont tomber à 4, à 4 millions de dollars. Euh, après 5 mois euh, de kidnapping, qui vont être versés en très grande partie par M. Getty, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le film. Euh, la réalité, c'est qu'en fait, M. Getty a donné 2,2 millions de dollars pour euh, l'enlèvement de son fils parce que c'était la somme maximum qu'il pouvait défiscaliser. défiscaliser. Voilà. Et que le reste de la somme a été donné par le père, donc par le fils de M. Getty, oh. donc le père du jeune Paul, Je euh, euh, qui droit, a toi. dû emprunter l'argent et le rembourser sur plusieurs années à son propre ouais. père. Euh, de façon à pouvoir payer la rançon de son fils. Donc, ça, ça démontre bien quand même l'univers familial un petit peu particulier euh, de ces gens-là. Et le film se termine. Alors, on peut le dire. Hein, le jeune Paul survit. Il est retrouvé. La rançon est versée. Et à la fin, on voit la mort euh, de Paul Getty, euh, grand-père, et on comprend un petit peu mieux son, son, fonctionnement, euh, son fonctionnement intellectuel. intellectuel ouais. Voilà. Donc, la fin est Alors, positive oui. d'une certaine. Ce qui est intéressant dans le film d'abord c'est euh, c'est un film d'amour maternel on pourrait dire aussi Absolument. parce que quand on voit remarquablement interprété par Michelle Williams quand on voit la mère qui se bat sans arrêt qui se bat sans arrêt elle n'a pas un rond donc elle essaie d'aller voir son 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 ex beau-père euh, pour elle fait le, le siège pour essayer de le voir pour essayer qu'il ne la reçoit pas pour essayer d'avoir de l'argent elle se bat pour son fils c'est bien fait ça c'est bien fait on est Tout pris est par l'histoire oui. même si c'est un petit peu long oui. et il y, y a un casting alors il y a l'histoire aussi de, de Getty qui est joué par euh, Plummer très bien joué très bien joué par Plummer mais nous ne saurons jamais sauf ceux qui ont vu la bande annonce oui. où il y avait Kevin Spacey dans la bande-annonce, il n'avait pas supprimé. Mais ensuite, comme vous savez, Kevin Spacey a été accusé de, de, de déviance ou en tout cas de. de, de comment on appelle ça les, les, Oui, les... dans ses affaires de mœurs. Affaires de mœurs euh, hollywoodiennes, on ne sait pas. D'il y, y a très longtemps, eh ben, il, est, il était viré du tournage Absolument. et on a refait toutes les scènes où il était avec Plummer, qui est remarquable dans le film. Ça, il faut, qui faut est extraordinaire. Hein. Je pense que tout le casting, d'une manière générale, est vraiment très bon. exceptionnel. Très bon. La mère. Est extraordinaire. Bon. Marc Wahlberg est égal à lui-même, bon. mais il assure son rôle d'une mmh. façon magistrale. Sobre et bien. Plummer, évidemment, extraordinaire. Il joue le vieux Getty euh, complètement replié sur lui-même, en même temps très, tourmenté. Très euh, English avec aussi euh, dans, son, dans sa façon. Une stature formidable. Mais... Il est vraiment passionné d'art, il faut pas oublier passionné que le musée de Getty euh, sur les hauteurs de Los Angeles, moi j'y suis allé deux fois, c'est quelque chose de merveilleux. Est stupéfiant, c est, c est... On a aussi euh, donc le jeune Paul et puis surtout le, le kidnappeur, en tout cas un des kidnappeurs ah, <laughs> euh, qui est joué par Romain Duris, mmh. euh, qui joue donc qui est français comme chacun sait, et qui joue le kidnappeur italien. Donc mmh. c'est un rôle, je pense, ouais, de pure oui, composition pour lui, il est tout à fait excellent. Donc, et donc, celui qui est le plus proche euh, du gamin, qui veut un peu le sauver, absolument. qui est proche de lui, etc. Alors ce qu'on peut dire pour terminer sur ce. Le film, c'est que quand même, la mise en scène est bien faite, parce que c'est quand même Ridley Scott. Les, le, 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 le mansion house en Angleterre est magnifique, les décors sont beaux, la photo est belle, donc c'est quand même un régal pour les yeux. Oui. Seul reproche, un petit peu long. Il y a 10 minutes de trop. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, c'est un film exceptionnel à tous les niveaux. Et surtout, un film qui n'est pas seulement une histoire d'enlèvement avec euh, un dénouement euh, positif, non, non, ouais. mais où on suivrait les aléas, etc. C'est aussi vraiment la psychologie. un film psychologique, ouais. notamment sur la psychologie de Getty, qui est quand même pas forcément un type très recommandable, hein, on peut non, le dire. Non, sûrement hein. pas. Euh, C'est même plutôt un sale type qui, euh, d'ailleurs, dans ses collections d'art, a frayé avec. Euh, euh, notamment les nazis des 37, hein. Lui oui, n'hésitait ouais. pas à aller sur place pour acheter et les œuvres d'art. Je, je, qu je pense fait. que si quelqu'un qui avait volé un tableau euh, arrivait chez lui, il l'aurait pris, il l'aurait mis dans un coffre. Et il y a et notamment <laughs> une, une scène dans le film que j'ai trouvée stupéfiante, c'est que donc le, le petit est évidemment enlevé. On s'attend à ce qu'une rançon soit versée et on voit à un moment Getty arriver quelque part chez des gens. On ne sait pas tellement où. On pourrait imaginer que c'est le chef des mafieux. Euh, et le, le Getty apporte une valise pleine d'argent et l'autre lui dit euh, « Montrez l'argent et je vous montrerai la preuve ». Donc on s'attend bien entendu à avoir un morceau mmh. du jeune mmh. enfant, une photographie, etc. Euh, donc il, il va débourser un million et demi de dollars en cash et en fait il achète un tableau volé. Euh, et absolument pas, euh, il est absolument pas là pour payer la rançon du, du jeune enfant. Et ça je trouvais que c'était un moment très bon ça, dans le film un, parce ouais. qu'on s'attend à ce que ce soit le moment ouais. et non. Il y a ça. Et en plus ça montre qu'il était sans foi ni loi cet homme. Et qu'en plus, vraisemblablement, il a dû se faire avoir aussi sur certaines collections, il y a des chances, parce que les faux, ça court les rues aussi. Alors, un autre bon film, Frédéric, que j'ai vu cette semaine, mais que vous n'avez pas encore vu, c'est L'échange des princesses, qui est le film qui est en photo derrière moi. Alors, l'échange des princesses, en deux mots, hein, c'est tiré du roman de Chantal Thomas, mais ça s'inspire de faits historiques parfaitement réels. Donc je dévoile une partie de l'histoire du film, mais qui est l'histoire de France, hein, donc, mmh. qui n'est pas, euh, qui pas un grand mystère. Euh, donc en gros, ça se passe à la mort du règne de Louis XIV, sous la régence. On a donc le régent qui cherche à assurer euh, la paix de la France avec l'Espagne. Vous savez que Louis XIV a mis son deuxième petit-fils comme roi d'Espagne, depuis finalement assez peu d'années. Les deux pays ont beaucoup souffert des différentes guerres qui ont euh, servi à assurer cette succession. Moyennant quoi, l'idée du régent, c'est de marier le jeune Louis XV, qui n'a que 10 ans, avec une des filles du roi d'Espagne, euh, la jeune infante, qui a 3 ans. Et vice-versa. Et vice-versa. Sauf que Louis XV n'a pas de sœur. Et donc, c'est une des filles du régent euh, qui va être envoyée à la cour d'Espagne. la grosso modo 10 ans et elle va épouser euh, l'enfant le, qui doit avoir euh, 17 ou 18 ans. Bon. C'est un petit peu les mœurs des pays arabes. Oui, bon, c'est des mœurs d'autrefois. Et donc, on voit toute la première partie du film, c'est évidemment la négociation, puis l'expédition des princesses hein, qu'on voit euh, chacune arriver dans son propre pays avec des scènes assez jolies, notamment à la bougie. Où vous savez que, euh, en fait, les princesses quand elles changent de pays, elles arrivent en France, elles doivent se dévêtir complètement pour ne pas amener même une culotte étrangère en France. Donc on voit ce moment d'échange, de passage d'un mmh. pays à l'autre qui est tout à fait bien fait. Et ensuite, la deuxième phase, c'est l'appropriation, bien entendu, des, des nouveaux pays. Donc on voit cette jeune espagnole à la cour de France où, grosso modo, bah, c'est une petite fille de 3 ans qui joue à la poupée euh, et qu'on proclame reine de France. Et puis en Espagne, la fille du régent, qui est une fille un peu sauvageonne et mal élevée, qui refuse d'accomplir son devoir et qui s'embête prodigieusement avec la famille royale espagnole, qui à par chassé la chouette, n'a pas voilà. ni grand chose à dire, ni grand chose à faire. Si elle s'embête, est-ce que le spectateur s'embête Alors. Viens. Et la fin, c'est évidemment le dénouement de l'intrigue, puisque euh, là aussi, hein, l'histoire est bien connue. En fait, euh, ça ne va pas prendre. En France, on va estimer que Louis XV, euh, qui n'a pas de descendance, devrait épouser une princesse plus vieille pour pouvoir euh, pondre, si j'ose dire, plus vite. Et puis, euh, du côté espagnol, on trouve que cette princesse n'est pas très accommodante. Elle n'ouvre même pas les portes de son lit euh, à son mari. Euh, finalement, son mari va mourir. Elle se trouve donc, parce qu'entre-temps, le, le, le roi d'Espagne a abdiqué, donc c'est son fils qui devient roi, elle-même est reine, son mari, sept mois plus tard, meurt, donc bien entendu, elle se retrouve veuve d'un roi, c'est donc le père qui redevient roi, donc elle ne sert absolument plus à rien. Je rappelle que elle n'est pas la sœur du roi, ni la fille du roi de France, moyennant quoi elle n'a aucun appui à la cour, son père, le régent, est mort. Et donc en fait, on renvoie cette pauvre fille en France en sachant plus tellement quoi en faire. Elle mourra assez jeune euh, dans un couvent en France, totalement oublié. Tandis que du côté français, donc on renvoie l'infante en Espagne et finalement, elle deviendra reine du Portugal. Ah ben donc un triste épisode quand même. Oui, c'est un épisode assez triste hein, de, de l'histoire de nos deux pays. Alors ça fonctionne assez bien du point de vue euh, Costume, du du costumé, etc., etc., etc. Les intrigues politiques sont, sont assez bien décrites. Euh, moi, j'ai quelques petits reproches à faire à ce film. D'abord, euh, pour moi, le reproche principal, ça tient sur le fait qu'il y a dans les phrasés des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la France du XVIIIe siècle, en particulier chez la jeune princesse Orléans qui devient reine d'Espagne, qui a un phrasé qui est à la limite d'un phrasé... Euh, de l'Est parisien d'aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. que... Bon, alors ok, la jeune, la jeune Orléans n'avait pas beaucoup d'éducation, mais enfin j'ai du mal à croire qu'elle se soit permise de parler de cette façon-là euh, à la Cour d'Espagne. En tout cas, je n'ai pas de document qui laisserait supposer ça. En revanche, euh, bon point pour la petite fille qui joue... Euh, l'infante espagnole donc mariée à Louis XV mm -hmm. qui est vraiment exceptionnelle, qui est belle qui est euh, pétillante qui en même temps en impose, on sent qu'elle a une mm -hmm. espèce de conscience de son, de son rôle politique qui est vraiment euh, superbe on voit un Louis XV assez mélancolique euh, finalement euh, vieillissant, pardon euh, bah, non, il a non. 15 ans mais on sent non, un Louis voilà. XV assez mélancolique, un roi d'Espagne complètement dépité et puis donc Petite remarque aussi sur le phrasé, notamment euh, du, jeune, euh, du jeune prince de Condé, qui à l'époque se fait appeler le duc de Bourbon, puisque c'est le petit-fils en fait, du grand Condé, euh, alors, qui ressemble à une espèce de débile mental, hein, ce qui n'est quand même pas tout à fait la réalité. Il a quand même été ministre euh, de Louis XV, et euh, surtout, on l'appelle... Enfin, C'est un truc qui mérite le Puis, poil. Il avait un On beau château à Chantilly. C'est <laughs> lui qui a fait construire les grandes écuries de Chantilly. On l'appelle Monsieur le Duc de Condé, alors qu'il est prince de Condé et duc de Bourgogne. Il y a des petites choses comme ça qui, pour le puriste d'histoire, vont, vont faire un petit peu hérisser le, le poil. Mais le film est assez bon. On raconte cette histoire finalement assez peu connue en France avec un certain talent. Alors, je le dis quand même, il y a quelques scènes un petit peu euh, piquantes. Euh, notamment euh, des allusions sexuelles, bon qui sont assez compréhensibles et notamment des allusions homosexuelles euh, chez le jeune Louis XV hein, qui sont mm -hmm. là aussi documentées, hein. c'est Documenté, une chose qui n'est pas, euh, pas inventée. Alors, je vous rassure, on ne voit rien de concret, mais enfin on voit des mains qui se qui se touchent et euh, le jeune duc de boufflère qui va être euh, envoyé à l'armée discrètement avec ses petits camarades. Donc c'est plutôt voir. un bon film pour à ceux voir. qui aiment les voilà les films euh, en costume et d'époque avec une histoire relativement tragique quand même mais qui est assez fidèle euh, à l'histoire telle qu'elle s'est véritablement passée donc c'est un film qu'on peut Là regarder. on est on est sur deux films à recommander alors. Oui, alors moi je recommande si on ne doit en voir qu'un, on voit le film de Ridley ouais. Scott évidemment. Et vous vous, vous alors, avez vu avec bah, oui. un bon film, ce qui est bah, bon un bon film. film. Non, je vais commencer par une grosse daube ah, puisque ah, c'est ah, le terme qui s'appelle grosse... Garde alternée euh, je ne dirai pas le nom de, de la metteur en scène ou de la metteuse en scène comme on veut dire maintenant. Parce que, parce que vraiment, c'est tellement lamentable, ils sont là dans l'ombre. Euh, Joue dedans Valérie Bonneton, Didier Bourdon et, et Isabelle Carré. C'est l'histoire d'un homme euh, qui s'appelle Didier Bourdon, interprété par Didier Bourdon, qui a déjà grossi et, et vraiment euh, en inflation, on dirait M. Michelin. Euh, et il est là, ballotté entre sa maîtresse, enfin pas ballotté, il a sa maîtresse et euh, sa femme avec deux enfants. Alors, sa femme apprend qu'il a une maîtresse, qui est Isabelle Carré qu'il aime bien. Donc elle réfléchit, elle le fout dehors, et puis finalement elle se dit bah non, il est quand même père des deux enfants. Donc elle va voir la maîtresse, et après moult discussions, elle réussit à obtenir d'elle qu'ils se le partage Voilà la garde alternée. Donc une semaine ouais. chez la maîtresse, une semaine chez le, le, la femme. Oui. Bon. Alors l'histoire, l'histoire a peu d'importance. C'est un scénario qui est très mince. Didier Bourdon joue le rôle de l'homme, donc une fois de plus, là, l'homme ridicule, ballotté entre les deux femmes, qui n'a aucun caractère, qui est le gros nounours qui, qui tourne en rond. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Qu'est-ce qui est allé faire là-dedans des gens qui jouent bien comme Isabelle Carré mm. Didier Bourdon, il fut le bourdon. Ça mm. n'a vraiment aucun intérêt. Euh, voilà. Alors, surtout, ne pas aller voir. Et si vous l'avez vu, bah, j'espère que vous pensez comme moi. Alors, passons à des choses plus intéressantes. Euh, Celui-là, bon, c'est Momo, de, de Vincent Labelle. Alors, Momo, c'est un film comique. Moi, j'ai adhéré. Bon, c'est spécial. C'est encore une histoire un petit peu amusante. C'est l'histoire de, de, de... Évidemment, on voit Christian Clavier qui est dans un grand magasin et tout d'un coup, il est un peu agressé par quelqu'un qui lui met des tas de choses dans son caddie, qui revient, etc. Bon, bref, c'est quelqu'un qui s'incruste chez lui après. Je l'ai fait assez rapidement, s'incruste chez lui après. Donc, euh, sa femme, Catherine Fro, euh, se trouve euh, en mal d'enfant donc est prêt à l'adopter parce que l'autre dit sans arrêt euh, je suis votre enfant je suis votre enfant. Mmh. En fait, il est sourd donc il parle d'une façon incompréhensible. Donc euh, Christian Clavier ne comprend jamais rien et c'est quand même un petit festival de Christian Clavier que je trouve euh, qui a fait des mauvais films mais qui est quand même un bon acteur comique. Moi, il m'a fait rire parce qu'il a une gestuelle et il a aussi des mimiques très il est dans la veine d'un Louis de Funès qu'on oui. qu regrette beaucoup. À coup, Apaisé, mais il est un Alven de Louis de Funès. Et vraiment, euh, sur son visage, on voit la surprise, la colère, le machin. Il est drôle. Moi, il m'a fait rire. Puis il y a Catherine Froh, qui est une très grande actrice. Beaucoup. Moi aussi, c'est une excellente actrice. Donc, je pense c'est un film qu'on peut aller voir. C'est sans prétention, mais on s'amuse quand même. C'est drôle. Voilà. Et. Le portrait interdit. Donc on peut vous terminer parlé par tous le les deux. interdit. Voilà. voilà alors, correct, on a vu tous les deux. Euh, alors, qui est en, en fait alors, je, je n'ai pas euh, cherché sur internet. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. J'avoue que je n'ai pas. A priori, c'est ce une histoire vrai. vraie. Je n'ai pas C'est ce qu'il dit, non. mais je ne sais pas quelle est la, la, la part, part de, de vrai, vrai ouais. et la part de roman. Bon, toujours est-il que nous sommes en Chine 18e. au XVIIIe siècle, euh, dans la cité interdite, donc chez l'empereur de Chine. Et nous suivons euh, le destin euh, de deux personnes, à savoir l'impératrice, donc la femme de l'empereur de Chine, et. Toute nouvelle impératrice qui était la concubine préférée qui vient de passer l'impératrice. Voilà, absolument. L'impératrice d'avant était morte, elle était adulée, elle est devenue impératrice et elle rêve évidemment de s'assumer euh, en tant que telle et de faire oublier la précédente. Euh, il y a notamment une scène où on voit au début qu'est déroulé un portrait officiel de l'ancienne impératrice. Et donc, elle est tellement louée que, bien entendu, la nouvelle souhaite, elle aussi, euh, être euh, portée au nu. Et portraitée. Et portraiturée, bien entendu. Et ça tombe bien, puisqu'on suit un deuxième personnage, qui est un jésuite, euh, en mission en Chine, et qui va, en fait, devenir peintre. Euh, et on le voit travailler avec toute une équipe, hein, aussi, de, de jésuites, par ailleurs, qui sont euh, l'un architecte, l'autre musicien, etc. C'est-à-dire qu'ils propagent, en fait, euh, les, les arts occidentaux euh, jusqu'en et... jusqu Chine et qui du coup, c'est d'ailleurs un des, des pépites du film, c'est qu'on voit que dans leur réflexion, il s'agit de se rendre indispensable à l'empereur pour pouvoir ensuite okay. imposer... Euh, en tout cas, euh, propager, tout cas, la, propager les, la, euh, la religion. C'est-à-dire la religion. Euh, et et, catholique. et, et réussit, il réussit, puisqu'il devient quand même euh, le, le peintre officiel de la cour. Absolument. Et donc, avec les jalousies que ça entraîne. Absolument. Et donc, ce, ce, jeune, euh, ce jeune jésuite va être réquisitionné euh, par l'impératrice pour faire un portrait à l'occidental. Et on va assister, pendant la majeure partie du film, à des scènes assez jolies, je dois dire, où on voit l'impératrice qui va être peinte. Et cette histoire d'amour naissante entre les deux, puisqu'évidemment il y a une histoire d'amour entre les deux. Qui est très bien traitée. Qui est excessivement Parce bien traitée. On, on voit qu'il y, a... qu y a une sensualité, on voit qu'il y a des regards, on voit qu'il y a une attirance, mais il y a une étiquette et puis il y a la, il y a la différence des cultures, etc. Et c'est il n'y a -il. évidemment aucun baiser ni aucune scène de sexe. Et, et on sait qu'il n'y aura rien. Et on sait qu'il n'y aura rien. Donc c'est un film qu'on peut voir. En famille, même si ça suppose une compréhension qui n'est pas à la portée d'un petit enfant. Et donc, euh, ce portrait va être évidemment réussi de telle sorte que l'empereur va envoyer ce monsieur dans les zones de guerre pour représenter ses batailles. Et on va suivre ensuite la déchéance de l'impératrice, qui se rend compte qu'elle aime en réalité cet homme, que lui ne l'aime pas et que de toute façon cet amour est impossible. Qu'une autre concubine, euh, Fragrance, est euh, là et euh, la remplace dans le cœur de l'empereur et elle va finir par euh, se suicider en tout cas se suicider socialement en, mmh. en coupant ses cheveux donc on ne sait pas d'ailleurs ce qui va lui arriver non ouais. donc c'est une histoire assez tragique en même temps c'est pour moi un très beau film un peu lent très ouais. lent ouais. même moi très lent c'est la lenteur asiatique Exactement. de l'époque donc euh, si on avait eu du, du speed de la rapidité ça aurait été un mauvais film tout à fait. donc effectivement c'est lent mais on voit toutes les émotions c'est très bien joué par le jésuite, par, par, par la chinoise aussi. C'est une, c'est une production française, ne hein, Faut pas oui. l'oublier, fait par des Français. Et je trouve que c'est assez remarquable. Alors, fait. les tableaux sont d'une beauté, les, les décors, Alors, les costumes. La, On la est dans la Chine du 18e, c'est magnifique. La photographie est somptueuse. Et puis, il y a des réflexions sur. Euh, l'occident l'orient il y a notamment une chose qui m'a beaucoup amusé c'est euh, le moment où euh, euh, l'empereur accepte de commander ce, ce portrait à l'occidental pour l'impératrice et on voit l'espèce le, de, de grand maître de, de, du palais euh, qui dit mais pourquoi l'empereur de toute façon n'a qu'une chose occidentale c'est une pendule mais qui ne sonne pas puisqu'elle ne donne que les heures de l'occident. C'est tout à fait drôle. Donc voilà, il y a des, il y a des pépites comme ça de, dans ce film, mais en même temps des réflexions sur la chasteté, le rapport de l'homme à la femme, euh, sur euh, le rapport de l'Orient à l'Occident, sur la foi catholique, bien entendu, qui est difficilement compréhensible euh, par, ces, par ces Chinois dont l'empereur est en même temps le Dieu. Euh, c'est soumission totale à avec une soumission totale. et une étiquette très rigide de la cour. Donc ah bah, ils sont tous dans un côté, carcan. À côté hein. de laquelle, celle de Louis XIV fait figure de récréation. Enfin, oui. Il faut quand même de, le préciser. Bah, c'est un roi danseur, de toute façon. Alors c'est très beau. Il y a des moments un petit peu bizarres, notamment des moments où l'impératrice rêve et elle se parle à elle-même dans une espèce de, de, de flou artistique. Euh, voilà, ça c'est les moments qui pour moi sont un ouais. petit peu moins Moi je le recommanderais d'autant plus, d'abord c'est un beau film. Ça passe au Balzac, je le précise oui, pour oui, ceux tu qui as raison. D'autant plus que, il faut essayer d'aller voir ces films-là. Ce sont des beaux films, ce ne sont pas des films commerciaux, évidemment. Non, très loin Et donc vous. il faut encourager de façon à ce que les gens qui produisent ça mmh. retrouvent un peu leur sou et se disent je peux refaire des films comme ça, au lieu de nous faire des tas de films genre garde alternée qui sont des grosses daubes. Voilà. Mais qui marche Alors, euh, sûrement très très ah, bien. Bah, euh, au quand on voit quand on voit quand même que euh, un film comme euh, l'histoire de je me marie avec. Euh Épouse-moi, là, épouse-moi machin, épouse, -moi épouse -moi mon pote. Oui, oui, 5 millions 4 Non, 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 mais 2 millions 390 000, quelque chose comme ça. Et qu'il y a d'autres films qui sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus intéressants, qui ne feront jamais ça, etc. Bon. Alors, je voulais, je voulais juste terminer pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris. Euh, vous avez l'Action Christine, rue Christine. Christine euh, 21, ça s'appelle Christine Christine 21, 21. maintenant, oui. oui, parce que ça a été repris. Ça s'appelle Christine 21. Mmh. Ça a été repris par euh, celui qui a repris aussi le cinéma d'Esperado. De... Absolument. l'ex-Action École, et qui, je crois, s'appeler... Euh... Euh, École 21, si ma mémoire est bonne. Oui, il reprend 21. 21. Et euh, pourquoi Parce que c'est un film qui s'appelle euh, en anglais Philadelphia Story Indiscrétion mmh. en français. Je vous le recommence, un film en noir et blanc qui est somptueux avec Catherine Hepburn, avec euh, Cary Grant et avec James Stewart. Alors là, vous avez des dialogues, vous avez des analyses psychologiques qu'on ne voit plus à l'écran et vous avez trois personnages qui sont des grands acteurs. C'est un régal. C'est un régal. Tant mieux pour, euh, pour ceux qui habitent Paris, on a la chance et de voir ça. C'est le vieux film. Mais ceux qui habitent en, en, en province, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire en province, donc je dis en province. Euh, peuvent le trouver aussi sur Internet ou l'acheter en DVD. Absolument, ah bah oui, voilà, c'est un très bon film. En famille, film. parce que nous sommes aussi là pour ça. Donc, trois bons films cette semaine, ou quatre bons films peut-être. En tout cas, le film de Ridley Scott, c'est tout l'argent du, du monde à voir, à notre sens, à tous les deux, sans faute. Le portrait interdit, euh, interdit Si se joue encore, parce que ça doit commencer à se disparaître se joue encore au Balzac, vrai. en tout cas. Balzac, mais on certainement et en DVD. Balzac, on peut y aller, c'est un, un bon film. cinéma. Et c'est un film, je pense, pour toute la famille, donc c'est un très bon film. Momo euh, qui est drôle. C'est Christian Clavier qui est, qui, qui voilà. est drôle dedans. Euh, si on a du temps, on peut aller le voir. On peut aussi euh, voir, bien entendu, ou revoir, ou acheter en DVD euh, pour le regarder de chez soi ou à la campagne après La Cueillette des Champignons, Philadelphia Story. Euh, Indiscrétion en français. Indiscrétion en français, voilà, qu'on verra et reverra ne, en famille. Ne pas oublier de dire que c'est un film de Georges Cucor et le producteur Mankiewicz. Donc on est chez les grands, là. On est chez les très grands. Et on se retrouve avec d'autres grands, en tout cas, on l'espère, la semaine prochaine. En tout cas, pour à de bientôt. nouvelles aventures. De TV Liberté. Bonjour. Nous avons le bonheur de recevoir Monsieur Jean-Christian Serna. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Euh, pour un beau livre euh, qu'il a aidé à faire avec par Elisabeth Cazenave, euh, « le patrimoine artistique français de l'Algérie. Et ce sont les œuvres du Musée national des Beaux Arts d'Alger, euh, de la constitution à la restitution. Cela couvre donc une période de 1857 à 1970. Et ce sont les éditions Abdel-Tif. C'est un, un très beau livre, euh, un très très beau livre. Et merci d'être venu en parler, monsieur, puisque Elisabeth Kazna avait été, vit au bord de la Méditerranée et euh, ne pouvait venir. C'est donc euh, l'histoire de 300 œuvres euh, qui euh, ont été euh, données, apportées euh, dans ce musée, entre euh, le musée national des beaux-arts d'Alger. Merci de nous expliquer comment. Bon, alors tout d'abord je veux préciser que ce livre est essentiellement l'œuvre de Elisabeth Cazenal. Mais vous êtes un juriste. C'est elle qui en a eu l'idée, c'est elle qui a fait les recherches, c'est elle qui a conçu physiquement l'ouvrage. D'ailleurs, quand on le prend, euh, il apparaît bien comme étant le sien, euh, puisque en, en tête, on a euh, du même auteur. Oui. C'est la liste Tout... de ce ouvrages. Et à cette occasion, je veux signaler... Oui. Que Elisabeth Kaznav a écrit sur les rapports de l'art et de l'Algérie un certain nombre d'ouvrages tout à fait importants, spécialement La Villa Abdeltif, un, un demi-siècle de vie artistique en Algérie, 1907-1962, et L'Afrique du Nord révélée par les musées de province en 2004. Absolument. Ces deux ouvrages sont essentiels Absolument. à la connaissance de, de l'art graphique et euh, sculptural en Algérie et d'une certaine façon ils sont la préface à l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui absolument mais vous êtes comme elle euh, vous êtes comme elle née euh, en Algérie votre famille y est depuis euh, 1831, 1831. Euh, et comme vous m'avez très joliment dit, euh, vous n'êtes pas, euh, euh, vous êtes une personne déplacée, euh, votre pays, c'est l'Algérie. C'est ça. Je trouve que c'est une très belle expression que je n'avais encore jamais entendue et qui me paraît tout à fait magnifique et exacte. Ah ben, c'est une expression que j'ai utilisée lorsque Monsieur Vincenot M. Vincenot m'a interrogé, il a publié un livre dans le... M'échappe d'ailleurs. L'écrivain le, le, Henri Vincenot Non, pas Henri Vincenot, ah bon. un journaliste oui. qui a fait un livre sur les, entre guillemets, sur les rapatriés. Oui. Et, et il m'a interrogé et j'ai dit oui. Moi, je ne suis pas un rapatrié. Oui. Je suis une personne déplacée. <laughs> je suis un exilé. Absolument, absolument, monsieur. Euh, et vous êtes par ailleurs juriste et donc vous vous êtes. Vous, vous, vous aider à euh, Elisabeth Cazeneuve à planter le décor euh, de, de cette installation de ce musée, euh, le musée national des beaux-arts d'Alger, euh, qui va recevoir des richesses. Parce que, or, et, parce que vous le verrez, chers amis de TV Liberté, euh, il y a des tableaux des, et des sculptures. Il y a Mayol, Despiau, Belmondo, Barry, Rodin, Bourdelle et des peintres comme la Delacroix, euh, il y a Fromentin, il y a enfin, euh, Chardin, il y a un petit Chardin. Un petit Chardin, oui. euh, La Théière Blanche. Euh, on, est, euh, on est totalement, vraiment très, très, très impressionnés de la richesse de ce musée. Oui, je ne sais qui a dit, euh, c'est pas un grand musée international, mais c'est un très beau musée de province. C'est un très beau musée. Oui, mais enfin... Et vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un musée international euh, J'ai beaucoup... Non, je vous donne une association. Oui. Oui, oui. Le... c'est déjà très méprisant. Mais les musées de province sont des ma... sont des splendeurs. Il y en a de très beau. Sont des splendeurs. De très beau. Alors, j'ai de... beaucoup vécu... j'ai beaucoup vu euh, de... j'ai beaucoup euh, traîné dans les musées inter... dits internationaux. Il euh, y a une, une foule d'horreurs qui fait qu'on peut les traverser en, en, en une heure de temps, alors qu'un musée de province, quel... bien souvent, chaque tableau mérite la station debout je devant. Très souvent, je <laughs> suis de votre avis. Voilà. Alors, ce, ce, cet ouvrage. Est, est évidemment centré essentiellement sur le musée national des beaux-arts d'Algérie. Oui. Mais il y a autre chose, c'est qu'il fait un inventaire des différents musées de l'Algérie. Oui. Et ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Parce que il y avait le musée des beaux-arts d'Algérie, grand musée, celui d'Oran, grand musée dont on ne parle pas, ou très peu. Mais il y a d'autres petits musées. Et en particulier, il y a un certain nombre de musées ouais. centrés sur la présence romaine. Mmh. Bien sûr. Le musée de Cherchel était un très beau Bien musée. Sûr, parce qu'il y, y a des antiquités magnifiques. Des antiquités magnifiques. Ouais. Malheureusement, Cherchel, on ne saura jamais tout ce qu'il y a, puisque la ville européenne est construite dessus, mmh. sur la ville romaine. Et oui, et oui. Pour accéder. À la ville romaine, il faudrait tout abattre. Tout abattre. Ce n'est plus possible. Bien sûr, oui. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est très important. Je dirais que il faut commencer par lire ça pour voir ce qu'était <coughs> la, la présence artistique en Algérie, cette volonté de, de culture. Et puisque vous avez parlé de l'origine de ma famille, je signalerai que celui qui est arrivé en 1831 a écrit en 1836 un livre qui s'appelle Le conducteur, guide du colon en Algérie, qui est probablement le premier guide fait sur l'Algérie. Ce livre, on le trouve à la Bibliothèque nationale, on le trouve au musée de Rouen, on le trouve évidemment dans toutes les bibliothèques américaines. – Mais c'est un livre, de, de, un guide touristique ou un guide… – C'est un guide pratique. – Un guide pratique. – C'est un guide pratique. Imaginez que vous voulez être oui. colon en Algérie oui. en 1836, oui. vous prenez ce bouquin et on va vous décrire tout ce que vous allez faire comme trajet en France avec toute une série d'indications sur les villes. – Puis on va vous décrire l'Algérie. – C'est génial. Oui. – Mon grand-père, mon arrière-grand-père un tout petit peu excessif parce qu'il va décrire des villes où il n'a sûrement jamais mis les pieds puisqu'elles étaient encore sous l'autorité la la, euh, arabe. Oui. et euh, ce qui était si je fais allusion à ça c'est parce que ce livre est publié à alger et à paris. donc en 1836 à alger on a un libraire qui est capable d'éditer un bouquin. Donc, il y a en Algérie, contrairement à ce que d'aucuns ont pu écrire, un souci de culture très ancien. Bien sûr. Mais il en est d'Alger, comme de toutes les villes de province, les intellectuels en général, et les Parisiens en particulier, ont tendance à penser que c'est assez méprisable. Il n'y a de bon bac que de Paris, ce qui est une grande stupidité. Mais le temps presse. Nous n'avons que 15 minutes, monsieur. Je voulais que l'on rende hommage à ce personnage que l'on voit sur l'écran, donc le directeur du musée, monsieur al qui a, semble-t-il, une forte personnalité. Et, et qui a construit ce, ce musée et qui l'a enrichi euh, euh, oui. lentement mais sûrement. Absolument. À partir et j'ai envie d'ajouter indépendamment des musées nationaux français. Ce qui, à mon avis, est la source pas des, vrais, des pas problèmes. Vrais, pas vraiment indépendamment. Pas vraiment indépendamment. indépendamment. que là il reçoit une grande aide. si On regarde ça. Il reçoit une grande aide du musée du Louvre. Oui. Des autorités artistiques françaises, il oui. ne fait pas ça tout seul. Non, mais, mais juridiquement. Un, ah, voilà, jury, mais vous savez, il y, y a un gros problème à ce moment-là. L'Algérie est autonome. Elle dépend de la France. Oui. Si j'avais le temps, si j'étais plus juriste de droit public que je ne suis, je suis un euh, privatiste, et je m'amuserai à faire une démonstration que l'Algérie, c'est le laboratoire de la décentralisation. Ah, – c'est une belle idée, oui. Ah. – Elle a son budget, ah, oui. elle a des directions qui sont des sortes de sous-ministères, ah, oui. et sans doute il y a une organisation administrative copiée, calquée sur celle de la France, avec des déclinaisons purement euh, algériennes, les communes mixtes, les, les tribus, les droits, etc. Mais c'est le laboratoire de la décentralisation. Et si on regardait un peu ce qui s'est fait, on réglerait plus facilement certains problèmes, en particulier au niveau de la gestion des religions. Alors, venons-en au cœur du sujet. Euh, Monsieur Lazare meurt euh, quelques années avant euh, la, la 62. Et euh, très vite, quand, euh, quand l'instabilité et la, le, la guerre civile commencent à, à, à faire rage, euh, tous les tableaux sont rapatriés à Paris. Et euh, en réalité, les nouvelles autorités vont n'avoir de cesse que de récupérer euh, ces, euh, ces œuvres. -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur ce sujet oui, euh, c'est un problème important, ça ne me paraît pas être le problème essentiel, mais puisque vous en parlez, euh, on va l'évoquer. En 1961, on s'inquiète de la protection de ces œuvres. Et on les met dans des caisses, on les amène à Paris. Et après les accords des, des viands, les autorités algériennes demandent qu'il soit entre guillemets rapatrié, si j'ose dire, restitué. <laughs> Et non pour eux c'est un rapatriement. Il oui. faut bien voir ça. Mm. Alors qu'en est-il juridiquement Le musée national des Beaux Arts d'Alger, il s'appelle national parce qu'un gouverneur général a pris d'arrêter le baptisant comme ça, mm. mais il n'est pas du tout national. Mm. Il ne pas, fait pas partie mmh, mmh. De le, des musées métropolitains, il n'est pas soumis à la même réglementation. Mmh. C'est un musée appartenant à l'Algérie, mmh, mmh. à cette région autonome qu'est la colonie. Mmh, mmh. Il est créé à partir d'un musée antérieur qui était un musée municipal. Les œuvres qu'il contient sont des œuvres qui ont été achetés par les budgets municipaux d'Alger ou coloniaux, sont le résultat de dons, et quelques œuvres sont des dépôts sont du, des prêts, du Louvre. Ce sont des prêts, oui. Ce sont des dépôts. Ça oui. s'appelle des dépôts. Oui, mais un dépôt, c'est un prêt. Non, un dépôt, c'est un dépôt. Je le le mais, juriste que je suis. Vous avez raison. Mais non. Vous avez bon, raison. Alors, si qu'est-ce que c'est qu'un dépôt? Qu -ce qu dépôt Ça veut dire que c'est quelque chose qui reste la propriété du Louvre. Absolument. Donc, il euh... reste la propriété Donc... du Louvre. Mais il n'y en a pas beaucoup. <laughs> si vous, vous êtes un juriste, moi, je suis une linguiste. Oui, oui, non, mais attendez, je suis désolé. En la matière, c'est le juriste qui l'emporte. <laughs> Bien. Le... Monsieur. Donc, il reste la propriété du Louvre, mais oui. il y en a peu. Oui. On a peu oui, quand oui. on regarde la liste. Oui, 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 oui. Ce qui est important, c'est que parmi ces dépôts, vous avez des œuvres qui sont des œuvres qui ont été spoliées par les autorités allemandes, mm. récupérées. Oui, oui, il oui, y a ce problème-là aussi, oui. Récupérées en mm, Allemagne. Mm, oui. Et le musée du Louvre les a dans oui, les oui, différents oui. musées oui, oui. en France métropolitaine et en Algérie. Et en Algérie aussi. Oui. Alors. Les autorités algériennes demandent la restitution. Mm -mm. Le rapatriement. Mais la restitution, vous avez raison, juridiquement, c'est le mot. Mm -mm. Ils demandent la restitution. Il est dans le titre. Alors, oui, monsieur, bien. <coughs> Qu'en est-il exactement Au terme des accords Vian, tout ce qui a été acheté, tout ce qui a été acheté, qui est la propriété, mm. est incontestablement la propriété du musée d'Alger, mm -mm. et au terme des accords, doit être restituée. Il mm -mm. en va de même des œuvres qui ont été données au mm -mm. musée. Mm -mm. Sauf que là, on peut se poser une question. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que les donateurs ne l'ont pas donné inconsciemment en considérant que ce musée était un musée de l'Algérie, certes, mais français Bien sûr. Bien sûr. Donc Bien à sûr. partir du moment où le musée n'est plus français, est-ce que les donateurs ou mm -hmm. leurs héritiers auraient pu revendiquer mm -hmm. les œuvres oui. et faire en sorte qu'elles restent en France vous soulignez, un, vous soulignez un problème qui, euh, qui trouve une illustration dans un autre cas. Euh, ce sont les églises. Il y a une église à Lyon qui a été achetée par des donateurs, qui a été construite par des donateurs. Et aujourd'hui, euh, la mairie de Lyon euh, le transforme, euh, veut transformer cette, euh, cette église en, en un espace de, un, un de coworking, ce qui en français veut dire que plusieurs petites entreprises vont oui. euh, vivre dedans. Euh, et il y a un, un procès qui est fait euh, parce que c'est un, une dénégation. De, de la décision des donateurs qui ont donné cette qui ont donné de l'argent pour une église et ce respect de l'idée des donateurs c'est comme les tombes dans les cimetières qui ne sont plus euh, ad vitam aeternam si je puis Alors, dire ad euh, mortem moi je meternam, suis plus intéressé de connaître la décision Ce sont pas des concessions de, euh, oui, de la cassation là-dessus Voilà euh... Mais alors, je trouve que le problème, bon, est, le problème est central. Oui, c'est clair, on peut se poser la si question. Si on s'assoit sur les décisions des donateurs, alors là. Euh, alors, c surtout que c'était. Si vous prenez. C'était reste... un temps où les donateurs n'étaient pas défiscalisés, comme vous Restons on dit. dans les musées. Oui. Chantilly. Oui. Vous ne pouvez pas faire un déplacement. Rien, rien. Pas un brin d'herbe. Parce que mm -hmm. le testament du duc d'Aumale. Absolument. Ça reste comme ça. C'est ça, oui, oui. Sauf erreur, oui. c'est pareil pour Marmottan, oui, oui. c'est pareil pour. Euh, Jacques Marandré. Merci, mm -hmm. je cherche le nom. <laughs> voilà. Et on ne on peut, peut rien bouger. Non, non. C'est non, à non. peine si on peut prêter. Oui, Et je oui. pense même qu'à Chantilly, on ne peut pas prêter. Oui, 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 oui. Rien ne doit partir. Ça ne doit pas bouger. Ce qui est sage, à mon avis. <laughs> je crois savoir que qu les, les conservateurs, de temps en temps, se posent la question en disant c'est pas très commode, c'est ceci, c'est Non, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc. On peut se poser la question, je ne l'ai pas résolu, je l'ai évoqué dans une note de bas de page, euh, voilà. quant aux œuvres qui sont en dépôt, propriété du Louvre, mmh, mmh, mmh. Ben, il fallait qu'ils restent en France. Oui. Et là, on a un problème qui se pose. En les restituant, c'est-à-dire en aliénant des œuvres faisant partie du domaine public. Oui. Le gouvernement est en infraction. C'est exactement le même problème que celui qui se passe, qui, qui est posé par la. Oui, par une étudiante, un étudiant à, à M. Macron, oui. Par le propos de M. Macron à Ouagadougou. Quand, à Ouagadougou, quand il dit Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des rest restitutions temporaires ou définitives. Du patrimoine africain en Afrique, outre hum. que d'ailleurs, euh, je trouve qu'il euh, outrepasse euh, ses, <laughs> ses compétences euh, juridiques. Mais rien n'est impossible à Jupiter, monsieur. <laughs> Comment disait le proverbe latin se Jupiter euh, Celui qu'il qu veut Cosper, perdre, Jupiter le rend Des mains d'art, c'est bien ça. <laughs> – C'est bien ça, et <laughs> le... il y a une très bonne analyse dans un journal que peut-être pas souvent cité ici, qui est Libération, qui rappelle que ces biens font partie du domaine public et que si on veut oui. les donner, bien. il faut une loi. – Évidemment, ouais, oui, Il faut sûr. une loi. Ouais. Ce pas la volonté du président de la République. Ce n'est pas de chaque compétence. Mais c'était le... pareil ouais. en 1969. Écoutez, monsieur, je crois qu'il faudrait que vous veniez nous donner une consultation juridique euh, de temps en temps, parce que nous avons besoin de vos lumières. <laughs> et, et, euh, et je crois que c'est une façon d'aborder les sujets euh, qui est extrêmement euh, intéressante et, et éclairante. Nous resterions très longtemps avec vous. Mais le temps est parti et, et, et fini. Je rappelle le titre de ce très beau livre, « Le patrimoine artistique français de l'Algérie, les œuvres du Musée national des beaux-arts d'Alger, 1857, de la Constitution à la restitution, 1970, aux éditions Abdeltif. Avec Avec beaucoup de… de alors, c'est à paraître. Vous pouvez le, encore, je crois, le, acheter le livre par souscription. Euh, il y a des magnifiques... Là, je tombe sur une, un portrait de Courbet, un, pas un portrait, un, un vieux pont de Courbet qui est magnifique. Euh, C'est vraiment un livre euh, tout à fait joli euh, et qui fera bien évidemment euh, très plaisir à ceux qui euh, euh, sont des personnes exilées. Merci, monsieur. Merci, madame, de m'avoir accueilli <laughs> et de m'avoir supporté. <laughs> Au voir, chers, chers amis de TV Liberté. Non, c'était passionnant. <music> Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Patrimoine, nous avons invité Maître Éric Delcroix qui va nous parler de l'Institut d'archives Emmanuel Ratier. Les archives, ce sont d'autres patrimoines. C'est notre patrimoine. Et donc, euh, merci, Eric Delcroix, de venir nous présenter euh, cet institut euh, qu'a euh, créé avec vous euh, Emmanuel Ratier avant de disparaître. Alors, euh, ça se passe en 2014, mmh. puisque je vous rappelle que malheureusement... Emmanuel nous a quitté le 19 août 2015. Alors nous sommes en 2014 et euh, Emmanuel cherche euh, des locaux et euh, une structure pour abriter ses archives qui se chiffrent en dizaines de tonnes. Euh, mm. Et donc il faut euh, sauvegarder tout cela. Alors, et -ce non seulement. Qu'est-ce que c'est que ces archives Alors ce sont toutes les choses qui ont été collationnées par. Emmanuel tout au long de sa vie de, 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 de journaliste et de documentaliste. Il faut se souvenir qu'il est un peu l'héritier spirituel d'Henri Coston. Coston et qu'il avait récupéré également euh, les documents de Yann Moncomble, qui ouais. était mort euh, prématurément vers la quarantaine. Et par conséquent, il avait énormément, il a énormément de documents. Mais... – Trois personnages qui ont la passion, la de, passion du, de, de la collection, du de, document. Par, du, conséquent, de par conséquent, il y a énormément de choses, et, et actuellement, euh, il y a euh, peut-être euh, deux dizaines de tonnes de documents qui ne sont pas encore dépouillés, c'est tout un travail à faire. Mais nous prenons et nous classons d'ores et déjà les archives qui viennent d'ici et de là, de gens qui viennent bien nous les… Données, puisqu'aujourd'hui il y a des, des documents exceptionnels qui peuvent intéresser la droite nationale qui risquent, de, dans les successions, de disparaître à la benne. Mmh. Par conséquent, il faut que les gens sachent qu'il y a une possibilité de sauvegarder les documents, des livres bien sûr, mais aussi des, des lettres, toutes sortes d'archives. Et c'est pourquoi en 2014, euh, sur euh, l'idée d'Emmanuel, de, euh, nous avons fondé les archives associatives du Vexin, puisque le siège, euh, nous avons installé le siège social de, de cette euh, association dans le VEXIN, et puis euh, les choses vont prendre de, 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 de l'ampleur, et ce n'est qu'après euh, la disparition d'Emmanuel Ratier que les archives associatives du VEXIN vont devenir institut Emmanuel Ratier, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, euh, nous dépassons beaucoup euh, la localisation du Vexin où se trouve le siège social, puisque nous avons dans le centre de, de la France, euh, en, en, en deux bâtiments, à peu près 960 mètres carrés. Un énorme espace. 960 mètres carrés, hors d'eau, chauffable, euh, et dans lequel énormément de documents sont déjà classés. Alors il y a quand même beaucoup de travail, parce que le classement est une chose, et ça donne un ordre, et ça permet déjà de consulter, mais il reste un travail énorme, ce qui n'est pas encore dépouillé, bien sûr, et puis un fichier, un fichier numérique qui reste devant nous, qui reste un ouvrage à faire, et pour cela, bien, nous avons euh, des, des aides bénévoles. – Alors vous avez des petites mains et... ?– Et nous avons, nous avons euh, des jeunes des gens. – euh, Des jeunes gens qui sont alors apprentis historiens alors il y, ah, il y a de tout, il y a de tout. Il y a, euh, il y a euh, une personne qui euh, s'occupe plus particulièrement du classement des archives par ailleurs à titre professionnel, mais nous avons aussi des sessions, notamment pendant les vacances scolaires, ah oui. et singulièrement en été, oui. avec euh, 8 ou 10 jeunes gens qui veulent bien venir, euh, des, des gens intéressés par euh, nous, les idées nationales oui. et l'histoire de, de, de la pensée nationale et qui par conséquent viennent nous aider à euh, faire tous ces classements. – J'ai envie de dire que c'est une chance pour eux, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut leur donner un matériel à classer, à archiver. Ah, mais c'est une chance pour eux. Et puis ils découvrent. Ils découvrent ouais. des choses qu'ils qu n'imaginaient pas, bien ouais. entendu. Énormément de, de documents. Et... Et euh, il y a déjà. Alors c'est un peu compliqué à l'heure actuelle puisque nous n'avons pas encore le fichier numérique. Oui. Mais il y a euh, cet été, nous avions un professeur d'université italien qui est venu travailler dans nos archives. Euh, quelques écrivains ont déjà euh, travaillé dans nos archives, donc euh, ça fonctionne d'ores et déjà. Et euh, tous les gens qui veulent sauvegarder des documents exceptionnels de chez nous peuvent s'adresser à l'Institut Emmanuel Ratier. Une adresse. Alors, euh, archivexin euh, Alors, euh, l'adresse électronique, c'est archivexin.orange.fr, archivexin en un mot. Et puis, euh, par, pour le courrier postal, euh, Institut Emmanuel Ratier, euh, boîte postale 19, 60 240, chaumont en vexin. – Très bien. Donnez-nous plus précisément le, le genre de document qui vous intéresse. Une collection de Paris Match Non. – Alors, y a, nous avons d'ores et déjà, déjà. Euh, quelques collections. Euh, effectivement, nous avons une collection de Paris Match, nous avons une collection de Spectacles du Monde. – une, une, euh, une collection de faits et documents, Une collection de faits et documents. Mais nous avons aussi euh, des, 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 des… Enfin, Ça, c'est parce que quelqu'un qui va venir travailler… Dans le centre de consultation, dans le centre de la France, mmh. euh, aura besoin de, de temps en temps d'avoir des usuels pour s'y retrouver parce qu'il va travailler sur telle ou telle époque. Mmh. Et par conséquent, c'est pas mal d'avoir ces usuels. Mais ce qui nous intéresse, ce sont des choses beaucoup plus beaucoup plus affinées. Nous avons des des, des échanges de correspondance à la naissance d'un certain nombre d'organisations politiques ou ou culturelles de la droite nationale. Mmh. Et là, ce sont des documents absolument uniques. Mmh. Ce sont des documents euh, qu'il nous faudra aussi copier. Il y aura tout un travail pour, pour ouais. les sauvegarder. Mais euh, l'important, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut que l'on sache qu'il y a un endroit où on peut sauvegarder euh, la mémoire nationale. Euh, parce qu'il faut savoir que quand un grand écrivain meurt, euh, ses, ses héritiers sont quand même très encombrés. Euh, par les livres, euh, les livres et les documents Mais et les archives que cet écrivain a réunis. et s'il les a réunis, c'est qu'elles étaient importantes. et, euh, et donc, euh, il faut savoir garder cela parce que euh, euh, il ne faut pas dire euh, plus personne ne va travailler sur ce sujet. Euh, il a été traité définitivement. non, un sujet n'est jamais traité définitivement euh, euh, j'ai envie de dire, il y a des biographies de Flaubert euh, depuis que Flaubert a fermé les yeux. Bien sûr. Et à chaque fois, euh, quand c'est du travail bien fait, euh, le, le nouveau biographe apporte des éléments euh, qui ont été découverts euh, depuis la dernière biographie. Donc euh, ces archives sont extrêmement importantes. Bien sûr, et les héritiers souvent ne savent pas qu'en faire. Non. Et ce sont souvent des archives... Qui ont une valeur inestimable moralement, mais qui euh, risquent de finir à la benne. Qui n'en ont aucune. Ben, parce qu'ils n'en ont aucune. Feuille, de, vén financièrement. De, vénalement, Ça, ils n'en son... <laughs> ont, ont pas. Donc, euh, les gens n'ont plus de grenier et manquent de <laughs> tradition. Eh bien, nous pouvons remplacer le grenier et, et les traditions pour les choses et les essentielles. Carrés, et les mètres carrés manquent. Eh ben, nous en avons quand même euh, pas, loin <laughs> pas loin de mille. Pas loin de mille. Un petit coup de chapeau à, à Faye Document pour. Euh, euh, les téléspectateurs qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas fait et documents, euh, ce journal qui a été euh, créé par Emmanuel Ratier. Emmanuel Ratier et euh, notre fondateur de l'Institut Emmanuel Ratier. Alors oui. l'Institut Emmanuel Ratier, tiens à le préciser, a besoin non seulement d'archives et de livres en donation, mais l'Institut Emmanuel Ratier a besoin, le nerf de la guerre a besoin d'argent. Non. Et par conséquent, <rire> nous, <rire> nous pouvons recevoir oui. des dons, oui. et ces dons font l'objet d'un reçu. Oui. Un reçu de défiscalisation pour les associations oui. d'intérêt général euh, de bien. 66% de, de, oui. des impôts sur le revenu équivalent. Comme pour Par les cons... dons à TV Liberté. Euh, et comme pour les dons à TV Liberté. Par conséquent, euh, les donateurs sont bienvenus. Et euh, nous avons fait une inauguration du, du, du grand centre euh, d'archives, celui qui fait près de 1000 mètres euh, carrés, cet été, enfin oui. à la fin de l'été. À la fin de l'été, oui. Et je pense que nous récidiveront probablement l'année prochaine pour nos donateurs. Ça, c'est une, une très bonne idée. Nous les choirons. C'est une très bonne idée. Je suis allée dans ce lieu et, et c'est vrai que c'est très émouvant. Euh, bon, c'est d'abord émouvant parce que Emmanuel y est. Euh, oui. Emmanuel est présent et euh, donc on a l'impression que son travail continue euh, comme, comme le fait Fait et Document qui continue. Et ce travail continue, d'autant plus que euh, la famille Ratier est fidèle euh, au principe de, de, du défunt et que nous avons maintenant pour présidente de l'Institut Emmanuel Ratier la oui. deuxième des oui. filles demmanuel, oui. marguerite ratier, oui. c'est elle maintenant qui, euh, véritablement, euh, a pris en main, pris en main oui. les archives de son oui. père et toutes les archives de, de, de pensée et d'esprit national qui, qui pourront venir. Oui, oui. alors je reviens à mon fait et document. Euh, c'est donc un journal d'information politique extrêmement bien fait. Euh, avec une grande partie, une biographie d'un homme politique euh, qu'on voit euh, dans la petite lucarne, mais dont on ne connaît rien. Et, euh, et Emmanuel et son équipe n'ont pas euh, le, leur, leur pareil pour euh, chercher les détails, voir les connivences entre les uns et les autres, euh, les parents, les grands-parents, les femmes, les cousins, les cousines. Donc on comprend très bien qui, qui nous dirige en lisant ces biographies. Tout à fait. Et, et Emmanuel a laissé en héritage, bien sûr, faits et documents, et ça fonctionne toujours. Il laisse aussi en héritage ses documents. Ses documents. Ces documents. Et, euh, et, et... l'esprit du documentaliste, l'esprit de la recherche et de la conservation euh, de, de notre mémoire nationale, et par conséquent, euh, ça, fonctionne bien, ça et, fonctionne bien. Et une librairie. Ne jamais oublier, vous cherchez un livre. La librairie Facta. La librairie Facta, <laughs> qui est juste au pied de, c'est sur la gauche de l'église de la Trinité, euh, rue. Pour les Parisiens. Pour les Parisiens. <laughs> euh, mais vous savez, il y a des gens de, il des gens de Montpellier qui viennent à la librairie Facta. Hein. Mais bien sûr. Avant de reprendre leur train, ils font cette librairie. J'en ai conduit quelques uns. Voilà. Parce que c'est une, une bonne librairie ancienne où l'on trouve euh, vraiment tout ce que l'on a envie de, de trouver. Eh bien, merci beaucoup, Éric euh, Delcroix, de nous avoir euh, initié à ce beau travail euh, d'Emmanuel et ce beau travail de mémoire. Un travail qui vous est cher. Vous aimez bien travailler sur la mémoire. Mais oui, tout à fait. <laughs> Pas de livre en cours, vous ne. Euh, Peut-être, mais c'est un petit peu prématuré. C'est trop en parler. Oui, oui, bon, à tout alors petit vous peu. reviendrez. Ben, j'espère bien. Merci. Merci beaucoup, Éric Delcroix, de cette présentation dans des arts de l'Institut. Emmanuel Ratier. Ratier. Merci beaucoup. Au revoir, Éric Delcroix. Au revoir. Au revoir, chers amis de TV Liberté.